Naweza kuikaa watoto wa Mungu. Oui, il est écrit. Ndiyo imeandikiwa. Que par la foi en Jésus-Christ. Ya kwamba kwa imani ndani ya Yesu Kristo. Nous triomphons sur le monde. Tunashinda dunia. Quand on parle du monde. Wakati wanaongea kuhusu dunia. Il s'agit de Satan. Inaelekea Ibilisi Shetani. Et de tout son système. Na matengenezo yake yote. C'est une victoire qui est réelle, qui est effective. Ni ushindi ya kweli na ya kutendeka. La foi en Jésus-Christ. Imani ndani ya Yesu Kristo. C'est cette puissance. Ni ile uwezo. Qui nous permet de dominer. Inaturuhusu kutawala. Sur le monde. Juu ya dunia. Sur son chef. Na juu ya mkubwa yake mwenyewe. Et tout son système. Na matengenezo yake yote. Qu'il nous fasse grâce ce matin encore. Atujalie neema asubuhi ya leo tena. Qu'il te fasse grâce. Akujalie neema. De te renouveler cette victoire. Akupatie tena ushindi. La parole de Dieu doit être la vérité vivante. Neno la Mungu inapasha kuwa ukweli yenye tuko naishi. Ce n'est pas un slogan. Sio misemo ya mkinwa tu bure. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. La Bible dit dans Hébreux que par la foi. Biblia inatangaza mkitabu wa Hebrewia kwamba kwa imani. Les héros ont remporté des victoires sur des royaumes. Mabingwa walipokea ushindi juu ya maufalme. Ils ont éteint les feux de l'ennemi. Walizimisha moto ya adui. Bible dit par la foi ils ont été vaillants dans beaucoup de batailles de guerre ils ont. Biblia nasema kwa imani walikuwa washujaa katika mavita na mgomvi mbalimbali. Les femmes ont récupéré leurs enfants. Wanawake walikomboa watoto yao. Par la foi nous triomphons sur Satan. Kwa imani tunamshinda shetani. La foi en Jésus. Imani ndani ya Yesu Kristo. Alléluia. Amina. On peut acclamer encore Jésus. Tumpikie mara tena Yesu makofi. Nous sommes appelés à vaincre. Tunaitwa kushinda. À triompher. Kushinda, kuwina. Alléluia. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa, Mungu abarikiwe. Matthieu chapitre 5. Matayo sura yake ya 5. Le verset 10 et 11. Shairi yake ya 10 hadi 11. Il s'agit de la persécution. Inaelekea kusongwa. Heureux, bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice. Na wenye kubarikiwa wenye wanateseka kwa sababu ya uwaki. Persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Wamesongwa kwa sababu ya imani yao ndani ya Yesu Kristo. Jésus qui est la justice de Dieu. Yesu anayekuwa uwaki wa Mungu. Et la bénédiction que le Seigneur leur promet. Na baraka ile Bwana anawaahidia. C'est que le royaume des cieux, le royaume de Dieu est leur héritage. Ni kusema ufalme wa Mungu ndiye urithi yao. Car le royaume des cieux c'est leur héritage. Kwa sababu ufalme wa mbingu ndiye urithi yao. Il dit heureux vous êtes. Anasema mtakuwa waheri. Quand on va vous insulter, vous persécuter. Wakati watamitusi, watamitesa. On va vous calomnier. Watamiteta. À cause de moi Jésus. Kwa sababu yangu mimi Yesu. Il dit soyez heureux. Anasema muwe wenye heri. Car le royaume de Dieu est là. Kwa sababu ufalme wa Mungu yuko. Car la puissance et la gloire de ce royaume sont votre héritage. Kwa sababu ushindi hata utukufu na uwezo ya ufalme ule ninakuwa urithi yenu. Alléluia. Amina. Je ne dis pas que on a épuisé tout le sujet sur la première partie de cette béatitude. Sikusema ya kwanza tunamalizana na kipindi kia kwanza kia msemo mzuri ya baraka.
pour que nous puissions passer à la deuxième partie. Hivi tupite kipindi kya pili. Bien que de temps en temps, on y a quand même touché. Ingawa, wakati na wakati tulikuwa tukisemea. Mais on doit bien sûr passer à autre chose. Ni kweli tunapasha kupita kumambo ingine. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la bénédiction. Leo tutasemea zaidi kuhusu baraka. C'est-à-dire l'héritage du royaume des cieux. Ni kusema urithi ya ufalme wa Mungu. L'héritage du royaume des cieux. Urithi ya ufalme wa mbingu. Si vous rappelez, il y a deux semaines. Nakumbuka kuna juma mbili. Nous avons encore parlé pourquoi Dieu a permis la persécution. Tuliongea, tulisemezea kwa sababu gani Mungu aliruhusu mateso yetufikie. Pourquoi les disciples, les apôtres, tous les autres disciples ont été persécutés? Kwa sababu gani wanafasi mitume wote walipatikana na mateso? Et le Seigneur a permis cela. Na Bwana aliruhusu ile. Pourquoi il accepte que nous, son église d'aujourd'hui, nous continuons à être persécutés? Kwa sababu gani anaitikia leo sisi kanisa yake ya leo tuendelee na kupatikana na mateso? Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Que cela relève de sa vision pour son église. Ile ndio onyo juu ya kanisa yake. Et il ne peut pas enlever cela. Na kamwe haiwezi ashiwezi kuiondosha. Il dit, moi-même et Dieu le Père, nous avons été haïs par le monde. Anasema mimi mwenyewe na Mungu Baba, dunia ilituchukia. Le monde ne nous aime pas. Dunia haitupende. Satan et son système ne nous aiment pas. Shetani na matengenezo yake yote hawatupende. Alors comment voulez-vous qu'il puisse vous aimer vous? Alafu je, mwe mnazania kwamba watamipenda nini? Ils ne peuvent que vous persécuter. Banapasha paka kumiteswa. Ils ne peuvent que vous faire souffrir. Banapasha paka kumitesesha. Donc cela relève de la volonté souveraine. Alafu iyo ni mapenzi kamilifu. De notre Dieu et cette volonté qui est parfaite. Ya Mungu wetu inayokuwa mapenzi kamilifu. Là où il y a la volonté de Dieu. Penye panakuwa mapenzi ya Mungu. Il y a sa souveraineté. Panakuwa ukubwa wake. Mais il y a aussi sa perfection. Vile vile panakuwa ukamilifu wake. La volonté de Dieu est souveraine et parfaite. Mapenzi ya Mungu sio ya kutegemea mutu na inakuwa kamilifu. C'est pourquoi lui-même, le Seigneur n'avait pas laissé les disciples être surpris par la persécution. Na ni vile Bwana kuacha wanafunzi washitushwe na mateso hapa. Il a pris du temps pour leur annoncer cela. Alichukua wakati hivi awatangazie ile maneno. Il s'était pas limité seulement à annoncer cela. Akumalizie tu kuyatangaza. Mais il avait aussi promis la récompense. Aliahidia vile vile na malipo. La bénédiction, la gloire. Baraka utukufu. Qui est derrière cette persécution. Inapatikana nyuma ya mateso. Nous avons dit que la persécution a favorisé. Tulisema ya kwamba mateso ilisaidia. Même accélérer l'accomplissement de la mission d'évangélisation. Na kuharakisha kazi ya kupasha habari njema. Matthieu 28, 18, 19. Matayo makumi mbili na mnane, kumi na mnane, hadi kumi na tisa. C'est la mission de Jésus à l'église. Ni kanisa Yesu alipana kukanisa. Kazi Yesu alipana kukanisa. Complété par acte 1, 8 et 9. Na inaongezewa na matendo la mitume sura ya kwanza mnane, hadi ya tisa. Et quand vous lisez acte 8, 1 à 8. Na ukisome matendo la mitume mnane, moja mpaka mnane. Nous comprenons aisément que la persécution avait favorisé. Na unaelewa na utaratibu wote ya kwamba mateso ilisaidia. Même accéléré. Na kuharakisha l'accomplissement de cette mission. Kutimizwa kwa ile kazi. Hallelujah. Amina. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Parlant de l'apôtre Paul. Tukiongea kuhusu mtume Paulo. Examinant sa vie que lui-même décrit aisément dans beaucoup de ses lettres. Tukichunguze maisha yake yeye mwenyewe anayahadisia mambo mbalimbali na mabipindi mbalimbali.
dans lequel il justifie son appel par, non pas une liste de miracles accomplis, non. Ndani yake anasemea huduma wake hapana kwa daftari ya miujiza achana achana hapana. Mais par des souffrances qu'il a connues, qu'il a subies à cause de la persécution. Lakini anahadisia mateso na mambo mbalimbali alipatikana nayo kupitia kusongwa. Nous avons dit que la persécution permet tulisema de justifier et d'authentifier l'appel de Dieu. Kuonesha, hata na kuonesha na kusemea mwito ya Mungu. Un véritable chrétien appelé par Dieu. Mkristo wa kweli mwenye aliitwa na Mungu. Ne peut que subir la persécution. Anapasha paka kuishi kusongwa. Il ne peut pas être aimé par le monde. Hawezi kupendwa na watu wa dunia. Satan, les démons et les sorciers sont ses amis, jamais. Shetani, mandemona, balozi, njoba rafiki yake, ata siku moja. S'il est un véritable chrétien. Kama ni mukristo wa kweli, ata siku moja. La persécution permet d'authentifier l'appel. Kusongwa kuna ruhusu kuonesha ya kwamba mwito ni ya kweli. Pendant qu'elle fortifie la foi, qu'elle rend la foi beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Wakati napana moyo imani kuipatia nguvu na uwezo tena zaidi. Alléluia. Amina. Amen, peuple de Dieu. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Acte chapitre 6. Matendo la mitume, sura yake ya 6. 9 et 10. Mstari wa 9 hadi wa 10. Acte 6, 9. Et 10. Matendo la mitume sura yake ya 6, 9 hadi 10. Il s'agit de la persécution et du meurtre d'Étienne. Inaelekewa kusongwa hata na kupigwa mawe kwa Stefano. Alors, la Bible dit alors des membres de la synagogue des affranchis composés des Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie se mirent à discuter avec lui, c'est Étienne. Mais ils se montraient incapables. Ils étaient incapables de résister à la sagesse, à la puissance des paroles que lui donnait l'Esprit et qui sortaient de sa bouche. Verset 56. Shairi yake makumi tano na sita. À 60. Même chapitre 7 maintenant. Sura ya saba. Acte 7, 56 à 60. Alors, Étienne, pendant que il est en train, c'est l'un des sermons les plus pathétiques de la Bible. Iyo ndio utuba mnene zaidi, mmoja katika mautuba ya mumaisha. Cet homme a balayé l'histoire d'Israël. Uyu bwana alisemea hadithi ya Israeli yote. Depuis l'appel d'Abraham. Tangia mwito ya Abraham. Jusqu'à l'entrée à Canaan. Mpaka mkuingia mkanana. Je vous recommande de relire Acte chapitre 7. Usome mara tena Matendo la Mitume sura yake ya 7. Et vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que tous ces Juifs, les Pharisiens, les Sadducéens, tous qui se croyaient dépositaires de la loi, de la parole de Dieu, étaient confondus. Ce sont des choses parfois qu'ils connaissaient. Ni vitu vyenye wakati ingine walijuaka. Mais c'était tout simplement de la lettre. Ilikuwa tu ni barua maandiko. Il n'y avait aucune onction du Saint-Esprit. Amukukua upako wa Roho Mtakatifu hata kidogo. Lorsque Étienne est en train de parler de cette histoire en démontrant la toute puissance du Dieu Tout-Puissant. Wakati Stefano anakuwa na hadisia hii hadisi na kuonesha waziwazi uwezo ya Mungu Mwenyezi. Ils étaient incapables de le contredire. Walikosa misemo juu ya kupingana naye. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. La Bible dit. Biblia inasema. Walikosa kia kusema. Pourquoi Paul dit aux Corinthiens, vous rappelez que nous devons renverser les raisonnements. Paulo anaambia wa Korinto tunapasha kuangusha chini mawazo. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de notre Dieu. Mambo yote inainuka juu ya kupingana na kufahamu kwa Mungu wetu. Amener toute pensée captive à obéir à
Christ. Na kurudisha mawazo yote ifungwe na imtie Kristo. Alors pendant qu'il parlait, il est à la fin de son discours. Wakati alikuwa naongea, alikuwa kumwisho ya hotuba yake. L'esprit de Dieu lui a ouvert le ciel. Roho wa Bwana ilimfungulia mbingu. Avec les yeux de son esprit. Na macho ya roho yake. Il a vu ce qu'il dit. Aliona bien yeko naongea. Dit, je vois le ciel ouvert. Et le fils de l'homme, Jésus, debout à la droite de Dieu le Père. À ces mots, il se mit à vociférer et à se boucher les oreilles. Dès même élan, ils se sont roués sur lui. Ils l'ont traîné hors de la ville et ont commencé à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds de Saül, de Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il était témoin du meurtre de Dieu lorsqu'il persécutait l'Église. Alors, pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne priait. Est-ce qu'il disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Il est connecté au ciel pendant que le monde est en train de détruire la poussière. Alikuwa akichomekwa kumbingu wakati dunia ilikuwa ikiharibisha mwili. Et dès cet instant, natokea ile wakati, après avoir dit, Seigneur, pardonne-leur. Kisha kuambia Bwana uwarumie. Alléluia. Amina. Pardonne-leur. Uwarumie. Car s'ils savaient réellement ce qu'ils font. Kwa sababu kama walijua kienye banakuwa banatenda. S'il connaissait la vérité. Kama walijua ukweli. C'est ce qu'il voulait dire. Jo kienye alitaka kusema. Il n'allait pas agir ainsi. Aba kupasha kufanya hivyo. Pardonne-leur à cause de leur ignorance. Uwasameye Bwana usiwapatie kosa. Et pendant ce temps, l'Éternel a retiré son esprit. Na kwa ile wakati Bwana alichukua roho yake. Le corps est tombé. Mwili ilianguka chini. Il y avait quand même d'autres bien-aimés, d'autres disciples qui ont pris le corps, qui sont allés en. Walikuwa wapendwa wengine walichukua kitumba, walienda nacho kizika. Jésus dit que ceux qui sont persécutés. Yesu anasema benye kupatikana na mateso. Comme bénédiction. Baraka yao. Mon royaume, le royaume de Dieu leur appartient. Ufalme wangu, ufalme wa Mungu ni wao. Ils vont recevoir comme héritage mon royaume. Watapokea urithi ni ufalme wangu. Qui dit royaume de Dieu dit puissance et gloire de Dieu. Ufalme wa Mungu ni kusema uwezo na utukufu wa Mungu. Il dit la puissance et la gloire du royaume de mon Dieu, désormais c'est leur héritage. Anasema uwezo na utukufu ya Mungu wangu kuanzia pale inakuwa ni urithi yao. Désormais c'est leur héritage. Ndio urithi yao. La puissance et la gloire du royaume de mon Dieu, c'est leur héritage. Uwezo na utukufu ya Mungu wangu ni urithi yao. Pendant qu'il est en train d'être persécuté, hué, wakati insulté, seka, beko na mutukana, beko na muzomea. C'est en ce moment-là que le Seigneur lui ouvre le ciel. Ni pale Bwana Mungu anamufungulia mbingu. Pour voir cette gloire. Evi apate kuona utukufu. Nous allons parler de la gloire de Dieu. Tutaongea kuhusu utukufu wa Mungu. En insistant sur sa dimension éternelle. Na tutatia mkazo kuhusu upana wake wa umilele. Bien que sur la terre la puissance continue à opérer. Ingawa pa dunia uwezo ingaliki natenda. Mais c'est la gloire dans sa dimension éternelle. Lakini ni utukufu katika upana wake wa umilele. Dans sa dimension céleste. Katika upana wake wa kimbingu. Il est en train d'être persécuté. Beko na mutesa. Hué, insulté. Beko na muzomea, beko na mutusi. Non seulement. Si otu. Les paroles qui sortent de sa bouche sont inspirées, révélées. Misemo yatokayo mukinwa kyake inavuviwa, inafunuliwa. Rendu puissante. Inapana uwezo. Par la puissance du Saint-Esprit. Na uwezo wa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ne pouvaient pas résister à la sagesse. Na ni vile Biblia nasema wakuweza kukankamana kubakia mbele ya hekima. Mais aussi. Na vile vile.
Le Seigneur Jésus lui montre. Bwana Yesu Kristo anamuonesha. Le trône de Dieu. Enzi ya Mungu. Ce qu'aucun pharisien n'avait jamais vu. Ile mufarisayo hata moja hayaona. Ce qu'aucun saducéen, aucun sacrificateur n'avait jamais vu. Mkuani musadukayo hata moja bado hayaonaka. Il dit, je le vois. Anasema namuona eko bwima. À la droite de Dieu le Père. Kume kwa Mungu Baba. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. En tant que chrétien, kama mukristo, le ciel est une assurance pour nous. Mbingu ni kitu kihakikisho kwetu. Le ciel est une assurance pour nous. Mbingu ni hakikisho kwetu. Cet homme était uni à Christ dès l'instant où son corps cessait de vivre. Huyu bwana aliungana na Kristo tokea wakati ile mwili yake haikukua tena na uzima. Il dit, je te vois. Anasema na kuona. Alors prends mon esprit. Alafu chukua roho wangu. Et le Seigneur prend son esprit. Na bwana anachukua roho yake. Et il laisse le corps. Na anaacha kimwili. Ils ont cru qu'il tuait Étienne. Balizania kwamba beko na uwa Stefano. Il ne savait pas que Étienne n'était plus dans ce. Abakujua ya kwamba Stefano ana tena mumwili. La puissance du royaume de Dieu, de notre Dieu. Uwezo ya ufalme ya Mungu wetu. Fait de nous ses citoyens. Inatufanya sisi kuwa wakaaji. Du royaume de Dieu. Wa ufalme wa Mungu. Nous assure le ciel. Inatuhakikishia mbingu. De notre Dieu. Ya Mungu wetu. C'est pourquoi quand un chrétien meurt, ni vile wakati mukristo anafariki, il est uni automatiquement, son esprit et son âme sont unis automatiquement à Christ. Pale pale roho na nafsi yake binaungana pamoja na Kristo. C'est pourquoi Jésus a dit, mes anges le prennent et l'amènent dans le sein d'Abraham. Na ni vile Yesu alisema malaika wangu wanamchukua wanampeleka mkifua kia Abraham. Unis directement à Christ. Mwene kungana pale pale na Kristo. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Qui dit royaume de Dieu? Ufalme wa Mungu ni kusema. On ne peut pas parler du royaume de Dieu sans penser. Atuwezi kuongea kuhusu ufalme wa Mungu bila kufikiria. À ce règne de mille ans, utawala wa miaka elfu moja. Avec Jésus. Pamoja na Yesu. Apocalypse, chapitre 20. Ufunuo makumi mbili. Apocalypse 20. Ufunuo sura yake makumi mbili. 4 à 6. Ine adi sita. Apocalypse 20, 4 à 6. Ufunuo makumi mbili, ine adi sita. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place, qui y étaient assis. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne vécurent pas avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints, amen, ceux amen. Qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas emprise sur eux. Ils sont prêtres, ils sont sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Nous connaissons très bien tunajua vizuri les événements eschatologiques, les événements de la fin. Mambo mbalimbali ya masiku za mwisho. Lorsque Dieu le Tout-Puissant va décider de mettre fin au système actuel du monde. Wakati Mungu Mwenyezi atabeba mpango ya kumalizana na kukomesha matengenezo ya dunia ya leo. La trompette va sonner, on va en parler. Baragumu italia tutaisemea. Et nous allons ressusciter. Na tutafufuka. Pour une période de 7 ans. Kwa wakati ya miaka saba. La Bible dit après les 7
Souvenez-vous de l'enseignement que je vous avais donné sur les événements eschatologiques. Kumbukeni juu ya mafundisho niliyowafundishaka juu ya mambo itafika kumwisho ya wakati. Et les sept ans en ce moment-là. Na ile miaka saba kwa ile wakati. Commence le règne de mille ans. Jo inaanza utawala wa miaka 1000. C'est sur cette terre. Utawala wa miaka 1000 ni pa dunia hapa. Avec le Seigneur Jésus. Pamoja na Bwana Yesu Kristo. La Bible dit il redescendra. Biblia nasema atashuka tena. Et posera ses pieds sur le mont des Olives. Na atatia miguu yake juu ya mlima ya Mizeituni. Lorsqu'il est monté au ciel, c'était sur le mont des Oliviers. Wakati alikuwa anapanda mbinguni ilikuwa pa mlima Mzeituni. La Bible dit les anges ont dit aux apôtres. Biblia nasema hata wa malaika waliwaambia mitume. Ne vous inquiétez pas car tel que vous le voyez monter. Usifadhaike vile mnamuona anapanda. Vous le verrez également redescendre. Tamuona tena atashuka. Et Zacharie avait prophétisé cela. Na Zacharie alitabiri juu ya ile. Chapitre 14, il dit l'Éternel redescendra. Sura yake ya 14. Et posera ses pieds sur le mont des Olives. Alisema Bwana atashuka na ataweka miguu yake juu ya mlima ya Mizeituni ni wakati ya muda miaka 7. Paul dit quelque part ceci. Tume Paulo anasema fazi moja. Même si nous souffrons aujourd'hui. Hata kama tunateseka. À cause de notre foi en Jésus. Kwa sababu ya imani yetu ndani ya Yesu Kristo sio kitu. Cette souffrance. Ni mateso. Car nous la comparons. Tukifananishe. À la gloire. Na utukufu. Qui nous attend. Yenye inatuongojea. À la gloire qui nous attend. Utukufu yenye inatuchunga. Amen, bien-aimé. Amina. Nous régnerons pendant mille, nous vivrons pendant mille ans. Tutaishi kadiri ya miaka 1000, ni kweli. Aujourd'hui, leo, bah, ceux qui résistent encore peuvent aller à 100, à 120. Wale wengaliki na nguvu wanaweza kuenesha umri ya miaka 100 au 112. Mais tous les jours ici, beaucoup meurent à 30 ans, 20 lakini, ans. Lakini masiku yote, watu wanafariki na umri ya miaka 13, 12, 15. Les gens meurent tous les jours ici. Beko nakufa kila siku. Mais pour nous les chrétiens, lakini kwetu sisi wa Kristo, c'est rien ça. Sio kitu ile. Parce que l'éternité nous attend. Kwa sababu umilele iko wako juu yetu. Et ça commencera par ce règne de mille ans. Na itaanza na utawala wa miaka 1000. Bien aimé, ce sont des choses terribles qu'il faut vivre. Mupendo ni vitu vya ajabu vyenye tunastahili kuishi. Quand la trompette sonne, nous ressuscitons. Wakati tarumpeta inalia tunafufuka. Pour rejoindre Jésus au ciel là où il est. Tu akutana na Yesu mbinguni kwenye yeye anapatikana. Avant de redescendre sur la. Mbele ya yeye kushuka pa dunia. Nous le rejoindrons là où il est aussi. Tunakutana kwanza naye mbinguni kwenye anapatikana. Quelle puissance. Uwezo gani? Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. En une fraction de seconde. Kwa sekondi kidogo tu. Des millions de morts chrétiens. Ma elfu na ma elfu ba Kristo benye balikufaka na bale beko bazima na bengine bengine bazima banabadilishwa. Na banapanda bote. Alléluia. Amina. Une démonstration de puissance hors norme. Kionesho ya uwezo bila mwisho. Et une gloire terrible. Alléluia. Na utukufu ya matata. Amina. Toi et moi, nous vivrons pendant mille ans. Wewe na mimi tutaishi kadiri ya miaka 1000. Nous vivrons pendant mille ans. Tutaishi kadiri ya miaka 1000. Un jour, le Seigneur, il dit aux apôtres. Na Bwana anaambia mitume. C'est vrai, Pierre lui disait, bon, écoutez, kweli, nous avons tout abandonné, qu'est-ce que, nous avons tout abandonné, donc nous souffrons de cet abandon, na ata, on a abandonné les familles, on a abandonné le travail, on a abandonné kazi, les relations, tout ça, marafiki, na nous en souffrons, c'est vrai. Tuko na kumbuka ile mambo vina tukosa bile biote. Le Seigneur Jésus leur dit ceci. Bwana Yesu anabambia hivi. Tout ça, c'est rien. Bile biote si kitu. Parce que, kwa sababu, après la vie sur cette terre, kisha maisha ya padunia, vous les 12 apôtres, nini wa mitume 12, vous jugerez, mwe mutahukumu, vous siégerez sur Israël, mutaikala na kutawala juu Israeli. Matthieu chapitre 19, Matthieu 19, le verset 28, musari wake wa 12:8, Matthieu 19, 28, Matthieu 19:28. Seigneur Jésus dit ceci. Bwana Yesu anasema hivi. Leur dit Jésus leur dit vraiment je vous l'assure. Yesu anawaambia na uhakikisha. Le monde connaîtra son renouveau.
Dania et le fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux. Na ata vous qui m'avez suivi, nini mulinifata, vous siégerez vous aussi nasi mtaikala, sur 12 trônes juu ya maenzi pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Juu ya kuongoza makabila 12 ya Israël. Si vous allez dans Apocalypse 21, lorsque l'apôtre Jean donne la vision de la nouvelle Jérusalem, anapana ufunuo ya Yerusalema mpya. Il dit que je vois une muraille. Anasema naona ukuta. Qui entoure la ville. Inazunguka mji. Et les fondements sur les fondements de cette muraille. Na ndani ya msingi ya ile ukuta. Je vois les 12 noms. Naona majina 12. Des 12 apôtres de l'agneau. Amen bien. Ya wa mitume 12 wa kondoo. Et la Bible ajoute qu'il n'y a pas que les 12 apôtres de l'agneau. Même nous, les disciples. La Bible est allée jusqu'à dire, non seulement nous serons assis sur des trônes, mais nous jugerons les anges. Bien sûr, les anges qui ont été déchus. 1 Corinthiens 6, 1 à 3. Wa Korinto wa kwanza 6 mstari wa kwanza mpaka 3. En Corinthiens chapitre 6 1 à 3 parlons de la gloire. 1 mpaka 3 tunasemezea juu ya utukufu. La bénédiction du royaume c'est la puissance et la gloire de notre Dieu. Baraka ya ufalme inakuwa ni ile utukufu ya Mungu wetu. Alors l'apôtre Paul il profite de différents des problèmes qui entrent les chrétiens entre eux. Mtume Paul anafaidikia mambo mbalimbali inakuwa katikati ya Bakristo. Alors tout en l'exhortant à ne jamais le faire. Anawaonya wasifanye tena vile. Il leur révèle quelque chose. Anawafunulia kitu moja. Lorsque l'un de vous a indifférent avec un frère ou une sœur, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage des membres du peuple saint? Amen. Amina. Oui, ça sont des choses que nous devons donc décourager entre nous-mêmes. Ibi ni bitu bile tunapasha kukataza katikati yetu, atupashe kuanza kutendeana bia vile. L'incrédulité règne encore au niveau de la justice. Romu gumu ingaliki mu mambo ya haki. Et cela c'est dans tous les pays au monde. Na ile ni muma inchi yote hapa dunia. Alors, il ne faut pas que les chrétiens puissent se retrouver en train de s'accuser devant des juges païens. Tukunaenda kushitaki banduku yetu kuwamzi wapagano benye haba yamini. Des juges païens incroyants. Mwamzi mupagano mwenye hasia amini. Non, il exhorte Paul lui dit anaonya Paul anasema arrangez entre vous. Musungumuze katikati yenu mupatane. Alléluia. Amina. C'est ce que nous devons faire. Joki yenye tunapasha kufanya. Mais ça ne veut pas dire. Aina kusema. Que puisque on ne peut pas t'amener à la justice. Juu weye hawezi kukupeleka kubaraza la hukumu. Tu dois causer du tort à ton frère chrétien, non. Juu we waanze kukosea banduku yako mkristo hapana. Amen. Amina. Parce qu'on trouve aussi ces pratiques-là au milieu des chrétiens. Kwa sababu kuku ile matendo katikati ya Bakristo. Car si tu es juste, tu agis selon ce qui est juste. Kama uko mwenye haki na unatenda kufuatana na uwaki. Tu ne vas pas craindre qu'on t'amène à la justice. Hautaongopa mtu akushitaki bende ba kusambishi. C'est parce que tu agis dans l'injustice. Ne njuku unatenda katika uzalimu. Disant non, comme je comment lui, mon frère en Christ, il peut faire ça. Non, non, mais c'est toi qui es la base. Uko nasema je nduku yangu Kristo anaweza kunitendea. We njo unaleta mambo. We kuanza kuwa mwenye haki. Il n'est pas abusé de la justice de ton frère. Hapana njo nduku yako uko mwenye uwaki. We unamkorofia nduku yako au dada yako hapana. Alors, voilà ce qui nous intéresse. Qui suit? Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde. Si donc vous êtes destiné à être juge du monde, seriez-vous incapable de vous prononcer sur des questions bien moins importantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente. On peut ajouter 2 Pierre 2, 4. Petro wa pili, sura ya pili, mstari wa 4. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Petro wa pili, sura ya pili, mstari wa 4. Il s'agit toujours de cette qui nous attend. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement
enchaîné dans les ténèbres. Alors, Apocalypse 3, 21. Ufunuo sura ya 3, 12 na 1. Apocalypse 3, verset 21. Ufunuo 3, 12 na 1. Le vainqueur, c'est toi et moi. Shindaji, qui, au milieu des épreuves, des combats, des persécutions, nous continuons à servir le Seigneur, nous continuons à être justes, à proclamer le royaume, à proclamer que Jésus demeure le sauveur, le rédempteur, et que quiconque croit en lui, il ne périra pas. Il vivra éternellement avec Dieu. Alors, c'est ça le vainqueur. Alors, il dit, le vainqueur, moi Jésus, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Amen, bien-aimé. Amen. Je te dis, mon frère, la gloire qui nous attend, nous serons incapables de la supporter. Mais nous serons dedans. Lakini tutakuwa ndani yake. Comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Alléluia. Amen. Lorsque nous redescendons avec le Seigneur, wakati tunashuka pamoja tena après na le règne de mille ans, kisha utawala wa miaka elfu moja, après le règne de mille kisha ans, utawala wa miaka elfu moja, vient le jugement du grand trône blanc. Na sasa ukumu ya enzi nyeupe itafika. C'est la dernière phase. Jo kipindi kia mwisho. Pendant le règne de mille ans, wakati ya kutawala kwa miaka elfu moja, avec Jésus dans son royaume, wakati tuko pamoja na Yesu ndani ya ufalme wake paka hapa pa dunia, les autres, d'autres personnes vont continuer à vivre, bantu bengine na boba taendelea na kuishi, et à mourir ils s'enterrent, na kuendelea na kufa bengine peko na zikana. Quand les mille ans sont révolus, wakati miaka elfu moja inamalizika, c'est le jugement du grand trône blanc. Ni hukumu ya enzi kubwa nyeupe. Le jugement du grand trône blanc. Hukumu ya enzi kubwa mweupe ya mfalme mkuu. Le siège dont le Seigneur Jésus nous a promis, c'est un trône, mon frère. Mbingu ile Yesu alituahidia ni enzi mfalme. Comme j'ai vaincu moi-même, je suis assis sur le trône. Nilishinda mimi mwenyewe milisha kuikala pa enzi. Aussi vous, les vainqueurs. Na nini vile vile aussi avec moi, chacun sur son trône. Kila mutu pa kiti yake. Chaque chrétien, kila mukristo, sera assis sur son trône. Atakuwa alishaikalia pa kiti yake. Et pendant que nous sommes assis sur le trône, na wakati tulishaikaa pa kiti, c'est la deuxième résurrection. Ndio ufufuko ya pili. Tous les morts, wafu ote, injuste, wasalimu, baromu gumu bapagana, batenda zambi, vont ressusciter. Batafufuka nabo. C'est ce que la Bible qualifie de la deuxième résurrection. Ndio ile Biblia naita ufufuko ya pili. Et quand ils ressuscitent, na wakati wao wanafufuka, c'est pour être jugé. Ni juu ya boku hukumiwa. Et il n'y aura pas que le grand juge, le juge suprême Jésus. Aina paka mwamzi mkuu, non. Yesu la Bible Christo dit, apana même tu. Nous. Biblia nasema na shiaba. Assis sur des trônes, nous jugerons tuko le monde. Kuikala, le monde pabiti, que nous allons juger, ce ne sont pas les étoiles, les na planètes, non. Le monde que nous allons juger, c'est Satan, nyota, ses anges déchus, dunia, ainsi que ni tous shetani, les païens, les bote, incrédules, na bale ba malaika bali angukaka bale bote bali katala kumwamini Yesu Kristo bataendelea na kukataa kumwamini Yesu Kristo. Nous les jugerons. Tutaba hukumu. Jésus dit. Yesu anasema. Vous serez assis avec moi. Mutaika pamoja na mimi. Sur le trône. Pa biti. Et vous allez juger. Na mtahukumu. Les anges sont les anges déchus qui s'étaient révoltés avec Satan. Ils sont devenus les démons. Nous connaissons leurs œuvres aujourd'hui. Les démons détruisent. Les démons sont les instruments entre les mains de Satan pour détruire, tuer, écorger, faire tout le mal que nous connaissons. Toute la méchanceté. Ouvre. Et la Bible déclare, ce jour-là, ils vont passer devant batapita mbele trône du jugement ya enzi ya hukumu, et toi et moi na we na mimi nous les jugerons. Shinjo tutaba hukumu bo,
nous les jugeons pour leur méchanceté. Et après le jugement, maintenant c'est la seconde mort. C'est-à-dire quoi? Tout droit dans l'enfer. Mara moja batatupwa mumoto. Où ils vont vivre tourmentés jour et nuit pour l'éternité. Ule batateseka usiku na mchana milele na milele. La seconde mort ne veut pas dire qu'ils vont mourir encore et puis on les enterre, non. Kufa kwa pili sio kusema batafariki tena banaziku hapana. La première mort. Kufa kwa kwanza. C'est celle du corps physique. Ni ya mwili et mwili ya mtu. Maintenant, quand ils vont ressusciter après le règne des mille ans pour le jugement du grand watafufuka kisha miaka elfu moja juu ya hukumu, ils seront devant, atakuwa mbele. Et après, na kisha yake banatupwa mumoto, dans l'enfer, mumoto, pendant l'éternité, milele. Même vous ne croyez pas, na mwe benye hamuamini. Si vous croyez, dites amen. Kama unaamini shuseme amina. Jésus dit quoi à Jean? Yesu anamwambia Yohane. Écrit. Andika. Car ces paroles sont certaines. Kwa sababu hii maneno ni hakika na ni ukweli. Moi Jésus. Mimi Yesu. Je le certifie. Mimi nahakikisha. Je viens bientôt. Nitakuja baadaye. Amen église. Amina. Le Seigneur a aussi parlé de la récupération. Na hata mbingu ilisemea juu ya Bwana alisemea juu ya Après avoir annoncé à Pierre. Alimtangazia Petro. Que c'est pas un problème. Hakuna Même si vous avez kama, tout abandonné. Vous souffrez à cause de cela. Unateseka kwa sababu ya ya kwanza. Vous allez siéger sur les 12 tribus d'Israël. Utatawala juu ya makabila 12 ya Israeli. 2. Ya pili. Il dit même encore sur la terre. Pa dunia hapa. Moi, je vais vous faire récupérer ce que vous avez perdu. Mimi nitamisaidia mukombole bienyewe mlipoteza. Connaissons ce verset. Tunajua ile shahidi. Matthieu 19, verset 29. Matayo 19, musari wa 12 na 9. Chapitre 19, verset 29. Matayo 19, musari wa 12 na 9. Alors, tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leur frère ou leur soeur, leur père ou leur mère, leur enfant ou leur terre, ils recevront 100 fois plus. Et auront part à la vie éternelle. Amen. Amen. Oui, oui, nous avons Dio. Déjà expliqué ici. Que rien que sur le plan de la famille. Jama, ce que Jésus nous a donné, c'est de loin. Bale Yesu alitupatia banashindia. Rien que cette salle ici. Kama tunabeba tu hivi tuko hapa ndani. Si on fait les statistiques ce matin, nous dépassons 2000. Tukihesabia asubuhi leo tunashindia watu maelfu mbili. Mais tous les 2000 là-bas, vous êtes mes frères et sœurs. Lakini mwe bote banduku na badada 2000 mko banduku yangu na badada yangu. En tout cas, il n'y a personne qui peut dans ce monde dire que moi. Hakuna mtu hapa pa dunia anaweza kuniambia mimi asema mie. Dans la famille de mon père. Mujamaa ya baba yangu. Nous sommes 1000. Tuko ba 1000. Même si votre son père avait enfin je ne sais pas. Hata kama baba yake mzazi yeye ndio alikuwa bingwa. Il y en a qui ont eu 5 femmes, 6 femmes. Nous sommes 45. Donc, un moment, les enfants même ne se connaissent même plus. Ils s'oublient. 45. Amen, bien-aimé. Amen. Mais ça n'a rien à voir avec 2000. Lakini, aina mambo ya kuhesabia na watu 2000 kama hivi. Et ce que vous, les frères et sœurs, na kile mwe banduku yangu na badada yangu, ndani ya Yesu Kristo, vous êtes par rapport à moi, muko na nitendea mie, c'est de l'insupérieur. Binashindia na mbari sana. Parce que vous allez prier pour moi. Kwa sababu utaniombea. Vous allez demander à Dieu bénir. Utamuomba baba anibariki, anichunge, anitende vizuri. Et nous savons que dans nos familles biologiques ici, le diable a toujours mis des sorts. Tunajua sema majamaa yetu ya kizaliko ya kimwili. Shetani alisha kuweka mobaki. Il a dit à Pierre et aux disciples. Aliambia Petro na wanafunzi. Sur cette terre ici. Pa hii dunia. Vous recevrez au centuple. Mutapokea mara mia moja. Amen bien-aimé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Tumpikie tena Bwana makofi. Enfin, Philippiens chapitre 3. Wa Philippi sura yake ya 3. Peno maître Philippiens chapitre 3. Wa Philippi sura yake ya 3. Peux lire le verset 10 et 11. Tutasoma shairi ya 10 hadi 11. Nous parlons du royaume de Dieu comme héritage. Tunaongea kuhusu ufalme wa Mungu kama urithi. Cette puissante bénédiction. Baraka ya uwezo.
qui est l'œuvre de la puissance de l'Esprit de Dieu. Inakuwa kazi ya uwezo ya Roho ya Mungu. Et sa manifestation manifeste automatiquement la gloire de Dieu. Na kionesho kyake inaonesha utukufu wa Mungu. La puissance de Dieu agit. Elle fait tout ça. Uwezo wa Mungu inatenda na inafanya hivi vyote. Et la gloire est manifeste. Na utukufu inaonekana. Alors, Philippiens 3, 10. Wa Philippi sura yake ya tatu. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ. C'est-à-dire, expérimenter la puissance de sa résurrection. Et avoir part à ses souffrances. En devenant semblable à lui jusqu'à dans sa mort. Amen, bien-aimé. Amina. L'apôtre Paul parle de la connaissance de Christ. Tume Paul anaongea kuhusu kumjua Kristo. Si vous lisez le verset qui précède, il parle toujours de la persécution. Ukisome mashairi ya kutangulia anasemea juu ya kusonga juu ya mateso. Qui était comme des gains. Lui-même il dit tout ça, c'était des gains pour moi. Anasema kwa vitu vilikuwa faida, ilikuwa faida kwangu. C'était des choses bien pour moi. Ilikuwa vitu vizuri kwangu. Mais à cause de ma foi en Jésus-Christ. Lakini kwa sababu ya imani yangu ndani ya Yesu Kristo. J'ai décidé de abandonner cela. Nilibeba mpango ya kuviacha vyote. À cause de la foi en Jésus. Kwa sababu ya imani yangu ndani ya Yesu Kristo. J'ai abandonné cela. Niliviacha vyote. Il dit ceci. Na anasema hivi. Tout ce qui m'intéresse. Bienye niko natafuta. Pourquoi j'ai abandonné? Kwa sababu gani niliacha? Pour connaître Christ. Ni juu ya mimi kumjua Kristo. Et il explique cette connaissance. Na anafasiria kujua kwa. Par l'expérimentation de la puissance de la résurrection. Kwa kuishi uwezo ya ufufuko. C'est-à-dire expérimenter la puissance de la résurrection. Ni kusema kuishi uwezo ya ufufuko. Trois. Chose importante dans cette puissance. Vitu viwili katika umuhimu ya uwezo. Ephésiens chapitre 2. Wa Efeso sura ya pili. Verset 6. Mosari wa sita. Ephésiens 2, 6. Wa Efeso sura ya pili, mosari wa sita. Parlons de la connaissance de Christ. Na tunasemea juu ya ufahamu wa Kristo. Par l'expérimentation de la puissance de la résurrection. Kwa kuishi uwezo ya ufufuko. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres. Et nous a fait siéger les uns et les autres dans le lieu céleste. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. L'apôtre Paul ne parle pas de la résurrection ou la première résurrection dont nous avons parlé ce matin dans Apocalypse. Quand la trompette va sonner, non. Siku tarumpeta italia ici, il parle de la résurrection spirituelle. Anasemea ufufuko wa kiro. Tout homme, lorsqu'il croit en Jésus-Christ, mtu yeyote wakati anamwamini Yesu Kristo, cet homme était mort. Huyo mtu alifariki juu ya zambi. La Bible dit, Biblia nasema, le salaire du péché, c'est la mort. Malipo ya zambi ni mauti. C'est la mort spirituelle devant Dieu. Ni mauti ya kiro. Tu peux continuer à vivre physiquement, nous te voyons. Mais devant Dieu, tu n'existes plus. Lakini mbele ya Mungu hauko tena. Parce que Dieu, kwa sababu Mungu, n'est en communion, en relation qu'avec les saints. Anekalaka katika ushirika mpaka pamoja na watakatifu wenye péché, wenye kuishi muzambi wanatenganishwa mara moja na Mungu. Donc devant Dieu nous sommes. Mbele ya Mungu ni mwenye kufariki. C'est ce que toi et moi nous étions avant le Seigneur. Jo ile we na mimi tulikuwa kama mbele ya sisi kwa Yesu Kristo. Mbele ya kumwamini Yesu Kristo. Wakati tunamwamini Yesu Kristo. Tu le sais. Nous naissons de nouveau. Tunazali kwa jipya. C'est-à-dire une nouvelle vie commence. Ni kusema uzima mupya inaanzishwa. Alors il y a la mort par le péché. Kuna kufa kupitia zambi. Au travers de la foi. Na kupitia imani. Nous ressuscitons pour une nouvelle vie. Tunafufuka juu ya uzima. Donc nous sommes comme des gens ressuscités. Tunakuwa kama batu benye balifufuka. Parce que la vie que nous menons aujourd'hui, c'est la nouvelle vie. Ni uzima mupya. Qui est la vie du bon berger que vous connaissez. Que vous connaissez. Mwema tunajua. Jean 10:11. C'est la c'est cette vie que nous vivons ni uzima par lui, kupitia par yeye, sa parole, kwa neno lake, par la puissance de son esprit. C'est cette vie qu'il a ramené ni uzima du ciel. Alitoka nayo et la parole de Dieu, neno la Mungu, le Saint-Esprit sont du ciel. Ni bakumbingu.
C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. C'est l'esprit de Dieu. Ni roho wa Mungu. Donc si nous menons notre cette vie, kama tunaishi par cette parole de Dieu, msaada wa neno l'esprit la Mungu, de Dieu, wa roho wa donc Mungu, c'est la vie de Dieu que nous menons. Uzima wa Mungu tunaishi. Donc, nous savons tunajua que la gloire ya kwamba utukufu. Fait par quand on parle de Dieu automatiquement la gloire. Mungu ni kusema tunasemezea utukufu. On ne peut pas parler de Dieu sans gloire. Hawezi kumtaya Mungu bila kutaya utukufu. Donc cette nouvelle vie en elle-même, c'est déjà la gloire. Uzima wa Mungu kwanza yo yenye utukufu. C'est pourquoi la Bible dit, vivant cette vie. Ni vile Biblia nasema wakati tunaishi uzima. En réalité, c'est pas moi qui la vis. Kwa ukweli sio mimi niko naishi. Galates chapitre 2 verset 20. Wa Galatia sura ya 2 makumi. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis. Biblia nasema sio tena mimi niko naishi. J'ai été crucifié avec Jésus. Nilisulubishwa pamoja na Yesu. Je suis ressuscité. Nimefufuka. Pour une nouvelle vie. Tu as uzima mupya. Quelle vie? Sa vie. Ni uzima gani? Uzima wake yeye. Que je vis par sa parole et par son esprit. Ile niko naishi kwa msaada wa roho na neno lake yeye. Mais si ce n'est plus moi qui vis. Sio mimi niko naishi. C'est Christ qui vit à moi. Ni Kristo yuko naishi ndani. Christ, il est l'incarnation de la gloire de Dieu, il est Dieu lui-même. Na Kristo njo mwenye utukufu wa Mungu, njo Mungu mwenyewe. C'est pourquoi la Bible dit Christ en vous. Biblia nasema Kristo ndani yenu. La manifestation. Kionesho. De la puissance et de la uwezo ya utukufu wa Mungu. Amen église. Amen. J'ai l'impression que vous ne croyez pas. Mimi naona saa amuaminie hii mambo. De connaître Christ par expérimenter. Anasema kujua Kristo kwa kuishi uwezo ya ufufuko. Savez quand on parle de la gloire de Dieu. Unajua wakati tunaongea kuhusu utukufu wa Mungu. Et n'a rien à voir avec les choses matérielles visibles, non. Aina mambo ya bintu bia padunia bia kuishi na bia bia tunaonana kana macho apana. La Bible dit quoi? Biblia nasema nini? Marchant sur la terre. Tuko natembea padunia. Mais puisque la vie que je mène, c'est la vie de Dieu. Kwa sababu uzima enye niko naishi ni uzima wa Mungu. Par sa parole et son esprit qui sont du ciel. Kwa neno ata na roho yake natoka kumbingu. C'est pourquoi je suis uni à Christ. Jo kwa sababu niko mwenye kuungana na Kristo. Christ il est où? Na Kristo yuko wapi? Christ il est au ciel. Kristo yuko kumbingu. Pendant qu'il est au ciel. Wakati yuko kumbingu. Il vit à moi. Yuko naishi ndani yangu. Mimi ndiye kwao. Biblia nasema nini? Moi en eux. Mimi ndani yao. Hallelujah. Amina. Vous. Mwe le père à moi. Wewe Mungu Baba ndani yangu. Et moi en eux. Na mimi ndani yao. Ainsi. Na njo vile. Toi le père. Wewe Mungu Baba. Et moi. Na mie. Nous sommes en eux. Tuko ndani yao. Vous comprenez? Naelewa. Dieu le Père il est où? Mungu Baba iko wapi? Dieu le Père est aussi. Mungu Baba iko kumbingu. Dieu le Fils il est où? Mungu Mwana iko wapi? Il est aussi. Iko kumbingu. Mais en même temps, na tena, les deux bote bawili sont en nous. Beko ndani yetu sisi. Sont en toi, sont en moi. Beko ndani yako na beko ndani yangu. Sommes encore sur la terre. Wewe na mimi tungaliki pa dunia. C'est ce que Jésus dit à Dieu. Jokile Yesu anasema, anamwambia Mungu Baba. Jean 17. Yohane 17. Anasema Baba. De même que je suis un avec toi. Paka vile mimi na wewe tuko wamoja. Moi en toi, toi à moi. Mimi ndani yako, wewe ndani yangu. Ma prière c'est que maombi yangu ni kusema. Et aussi soit un avec nous. Nabo tuwe mkimoja pamoja na sisi. Comme toi le Père. Sasa wewe Mungu Baba uko ndani yangu. Je te transporte en eux. Na kuchukua na kuweka ndani yangu. Si bien aimé. Na ni hivi mpendwa. Je vis sur la terre. Niko naishi pa dunia. Mais à moi. Lakini ndani ya Dieu le Père. Mungu Baba. À moi. Muko ndani ya Dieu le Fils. Muko Mungu Mwana. Est-ce que vous comprenez? Na mnaelewa. Oh Dieu le Père et Dieu le Fils. Mungu Mwana na Mungu Baba. Beko kumbingu. Donc pendant que je suis sur la terre. Wakati mimi niko pa dunia. Ils sont à moi. Beko ndani yangu. Comme ils sont encore au ciel. Savi le bobe ngaliki kumbingu. Moi aussi je suis au ciel. Nakusema na mimi huyu niko kumbingu. Pendant que je suis sur la terre. Wakati ningaliki pa dunia. Ça le monde ne peut pas le voir. Hii dunia haiwezi kuiona. Le monde ne verra jamais cette gloire. Dunia haitaonaka, haitaishi ile utukufu. Le monde va voir le costume. Dunia itaona mkoti. Itaona vitu mbalimbali magari. Et ce qui est malheureux, na ya hole, même les chrétiens, na ba Christu, assimilent la gloire de Dieu au costume qu'ils portent. Bana sema utukufu ya Mungu njo nkochi mimi nikusha kuvuala njo utukufu ya Mungu kama nilicha kujivuala niko na utukufu wa Mungu. Prenez le feu, mettez là-bas. Beba tu moto, beba ile nkochi yako itupe emo kama itabakia mjima. Ils ont mis la gloire dans le véhicule. Bengine bana sema hii utukufu ya Mungu njo gari hii niko nayo. Amen, bien aimé. Amina.
puissance et la gloire de Dieu. Uwezo wa utukufu wa Mungu. Il dit expérimenter la puissance de la résurrection. Anasema muishi uwezo ya ufufuko. Deuxième niveau de la résurrection, on en a parlé. Kipindi kia pili kia ufufuko tulisema, wa Tesalonika wa kwanza. Tesalonicien chapitre 4. Sura yake ya 4. Somme en train de terminer. Pour tuko namaliza kia leo. Tesalonicien chapitre 4. Wa kwanza sura ya 4. 13 à 14. 13 hadi 14. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Allez-y. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, 42 et 43. Wa Korinto wa kwanza, 15, 42, 43. 1 Corinthiens chapitre 15. Wa Korinto wa kwanza, sura yake ya 15. Il s'agit toujours de la résurrection. Inaelekea paka mambo ya ufufuko. Alors, il en va de même pour la résurrection. En effet, lorsque le corps, il s'agit de ce corps physique, anasemea est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé infirme et faible. Il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. Amen. Amen. Quand la trompette va sonner, si que ta trompette est allée, c'est la première résurrection. Ni ufufuko wa kwanza. Apocalypse, nous avons lu, dit qu'ils sont heureux et bénis ceux qui vont participer à cette résurrection. C'est la résurrection des justes et des saints. C'est tout. Tous les païens ici qui se tapent sur la poitrine, tous ces sorciers qui jurent contre les uns les autres vont rester sous terre dans le séjour des morts. Et après les 1000 ans, ils vont sortir là, comme je vous ai dit, pour l'enfer. Pour l'enfer. Alors la Bible dit ceci. Vous savez le corps ici. Qu'est-ce qui fait vivre ce corps? C'est le sang. C'est le sang. Et nous savons qu'après quelques années, c'est fini. C'est la mort. Kisha miaka chacho, kunaisha, kinaoza, kunaisha. Si vous allez dans les cimetières où ont été enterrés les Abraham, les Isaac, tous. Ukiende makaburi mule barizika, ba Abraham, ba Isaac, ba Yosef, les Paul, ba Paul. Amuna tena kitu. N'y a rien. Amuna kitu. Tout est redevenu. Biote binarudia binakuwa udongo. Et la Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Alors, mais d'abord, lorsque un juste meurt, wakati mwenye aki anafariki, le corps rentre à la poussière, mwili inarudia kumavumbi, son esprit et l'âme, roho na nafsi yake, automatiquement entre les mains de Jésus. Pale pale inaingia mumikono ya Yesu Kristo. C'est déjà l'éternité qui commence avec Dieu. Umilele unaanza pamoja na Mungu. Et ils sont au repos dans le sein d'Abraham. Na bana pumzika ndani ya kifua kia Abraham. La Bible dit dès que cette vie là commence, Biblia nasema wakati ule uzima unaanza, il n'y a plus de pleurs. Hakuna tena kilio. Il n'y a plus de pleurs. Hakutakuwa tena kilio. Parce que la mort, kwa sababu mauti, n'a plus d'effet là-bas. Haitakuwa tena na tendo. Maintenant, lorsque la trompette sonne lors de la résurrection, sasa wakati tarumpeta inalia wakati ya ufufuko, Dieu par la puissance de son esprit, Mungu kwa uwezo wa roho wake, remplace ce corps ici qui est déjà détruit sous terre. Anakombola iki mwili kilishaharibika chini ya udongo. Il remplace par un autre corps. Anaikombola na mwili ingine. Qui est visible. Inakuwa ya kuonekana na macho. Mais ce corps là, lakini ile mwili, son énergie vitale, nguvu yake ya kumpatia uzima, haina tena damu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa vile? Ce
C'est le même corps. Ni mwili moja moja. Avec lequel Christ est sorti de la tombe. Pamoja nayo Yesu alitoka mkaburi. Mais la différence avec nous est celle-ci. Lakini achanisho katikati yetu na yeye. Je ne pouvais pas. Mungu hakuweza. Remplacer le corps de Jésus mort. Kukombola mwili ya Yesu yenye kufa. Par ce corps glorieux. Na mwili ya utukufu. Tout en laissant la poussière devenir poussière. Na anaacha mavumbi geuke kurudia mavumbi hapana. Ni personne qui a rien croire que c'est Jésus qui est ressuscité. Hakuna mtu aliweza kuamini ya kwamba ni Yesu amefufuka. Est-ce que vous comprenez la différence? Mnaelewa achanisho? Nous ressusciterons avec le même corps. Sisi tutafufuka na mwili mmoja. Avec Christ est sorti vivant de la tombe. Pamoja nayo Kristo ali mais la différence c'est quoi? Lakini achanisho ni kusema sisi. Le corps ici sera déjà détruit. Hii mwili itakuwa ilishaharibika, ilishaoza. Mais pour Jésus. Lakini ya Yesu. Dieu n'a pas permis que son corps physique soit détruit. Mungu hakuruhusu mwili yake ya umutu ipate kuharibika. Et puis le corps est là dans la tombe. Na kisha mwili iko ndani ya kaburi. Jésus est en train de montrer à Pierre que je suis ressuscité. Na Yesu kuna mwonesha Petro asema mimi huyu mimi nafufuka hapana. Quand on leur a dit par les femmes qu'il est ressuscité, wakati wanawake waliwahadisia ya kwamba ils ont couru vers la tombe. Walipika mbio kukaburi. Pour voir où est-ce qu'on l'avait mis le corps. Anajua kuona penye bali mtu yake mwili kwa. Na sasa fikiri. Ils arrivent à la tombe. Wanafika mkaburi. Ils trouvent le corps de Jésus là. Wanakutanisha kimwili cha Yesu kiko pale. Jésus est dehors en train de leur dire. Tena Yesu yuko nje na anawaambia njoo mie. Nani alipasha kuamini? C'est la seule différence avec nous. Njoo achanisho katikati yake na sisi. Là, Dieu a transformé le corps, ne l'a pas laissé, l'a transformé. Pale Mungu alibadilisha mwili aliigeuza kiache pale kwetu sisi. Dieu va le laisser détruire. Mungu ataacha ipate kuoza yari. Siku tarumpeta italia. À la place. Pafazi, Dieu nous donne maintenant Mungu atatupatia mwili ingine. Wa Korinto ile nasema. Donc l'énergie, ça ne sera plus le sang. Nasema nguvu ya ile mwili haitakuwa damu, ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni ile nafanya hapo. Bien que le corps c'était physique. Ingawa mwili ilikuwa ya kuonekana. Quand il est apparu devant les apôtres. Wakati alibaonekania ba mitume. Les apôtres ont dit non 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 mais c'est pas. Balisema hapana huyu ni mufu hapana. Je ne suis pas un fantôme. Mimi siko mfu mufu. Non non, un esprit na ni chair ni os. Roho haikalake na mwili au na mifupa. Regardez. Muniangalie, muoneni. Shimone kwenye kulingia misumari. Angalienu mbavu. Je suis là. Mi huyu. Amen bien-aimé. Amen. Mais, lakini. Pendant qu'il était là debout. Wakati alikuwa buima. Ce n'est plus le sang humain là, le sang. Aina damu ya bumuntu ndio ilikuwa natembea ndani ya mwili. Hapana. C'était la puissance du Saint-Esprit. Ilikuwa ni uwezo wa Roho Mtakatifu. C'était ainsi qu'il n'avait plus besoin de marcher. Ni vile akuhitaje kutembea juu ya kwenda fazi ingine. Kufungula mlango. Il n'avait plus besoin. Non, de manger encore. Akuhitaje kutumia chakula hapana. Amen bien aimé dans le Seigneur. Amina. Est-ce qu'on peut dire amen? Sema amina. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Umpikie Yesu makofi. Je vous parle de la puissance de la gloire du royaume de Dieu. Tuko nasemea kuhusu utukufu ya ufalme wa Mungu. Paul dit connaître Jésus. Paulo anasema kumjua Yesu. En expérimentant la puissance de la résurrection. Muku ishi uwezo ya ufufuko. Enfin, toujours dans cette gloire. Mwisho yake paka ndani ya utukufu huyu. Expérimenter la puissance de la résurrection, c'est expérimenter Dieu dans une autre dimension. Kuishi uwezo ya ufufuko ni kumuishi Mungu mwenyewe. Expérimenter Dieu dans une autre dimension. Kumuishi Mungu mwenyewe katika upana ingine. Par la puissance du Saint-Esprit. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. 1 Pierre 4, 14. Petro wa kwanza, 4, 14. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Petro wa kwanza, sura ya 4, mstari wa 14. La Bible parle. Biblia inasemezea. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Tume Petro anasema nini? Si on vous insulte. Parce que vous appartenez à Christ. Béni, heureux vous êtes. Car l'esprit de gloire, l'esprit glorieux, qui est l'esprit de Dieu, repose sur vous. Amen, bien-aimé. Amina. Nous fermons les yeux. Tufunge macho. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa ndani ya Bwana. Nous savons nous tous. Tunajua sisi sote. Lorsque vous lisez Ephésiens 1, 19 et 20. Wakati tunasoma Efeso wa kwanza 19 hadi 22. La Bible parle de la résurrection de Jésus. Biblia inaongea kuhusu kufufuka wa Yesu Kristo. De cette puissance de l'esprit de Dieu. Uwezo wa Roho wa Mungu. La Bible la qualifie d'une puissance d'une grandeur illimitée. Ya kwamba ni uwezo iko na bunene bila grandeur mupaka. Illimitée. Bunene bila mupaka.
une grandeur extraordinaire. Bunene bwa ajabu. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer comme puissance, comme grandeur. Et la Bible dit que cette puissance-là, Dieu l'a déployée dans toute sa force. Pour vaincre la mort. Kwa sababu ya kushinda mauti. Vaincre la puissance de la mort. Kushinda uwezo ya mauti. Pour vaincre Satan et l'achever définitivement. Kumushinda ibilisi na kumuponda kabisa kabisa lote. Et après. Na kisha. Cette puissance de l'esprit de Dieu. Uwezo wa roho wa Mungu. Comme nous venons de le dire. A transformé le corps de Jésus et l'a fait revenir à la vie. Mwili wa Kristo na kuifufula. La Bible dit après Bible les 40 jours, masiku makumi ine, la main puissante du Saint-Esprit kono moja moja a élevé Jésus yes, au-dessus de tous les cieux, juu ya mambingu de toute yote, puissance, ma uwezo de yote, toute domination, utawala ote, au-dessus de tous les pouvoirs démoniaques, sataniques, sorcellerie. Et la Bible dit ceci. Na Bible na que cette puissance-là, uwezo d'une grandeur illimitée, ya bunene bila mwisho, Dieu Mungu la met en œuvre dans nos vies à nous qui avons cru en lui. Katika tendo ndani ya maisha yetu, sisi wenye kumuamini. Bien-aimé dans le Seigneur, pendo ndani ya Bwana, si cette puissance kama uwezo uyu, qui a sorti Jésus de la tombe, ilimtosha Yesu makaburi. Jésus n'a pas disparu comme ça. Yesu akupotelea. Non. Il est monté comme ça. Ils l'ont vu monter. Alipanda na watu wote walikuwa wanamuona ni uwezo wa Je. Monté comme ça, chéri. Alors si l'on vit monter. Yesu mzima iko napanda. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Paka na pale alipotelea. Alors si le Saint-Esprit, rien que mtakatifu, il est tout. Si sa puissance est capable de faire. Kama uwezo wake una uwezo ya kutenda bia vile. Nous l'avons vu. Tuliona. Que quand la trompette va sonner, siku tarumpeta italia, c'est la main puissante du Saint-Esprit qui va ressusciter à la fraction des secondes des millions, moja, des millions, si pas des milliards de chrétiens déjà morts. Na wa miliardi, wa non seulement ceux kufa, qui sont morts, mais kufa, à la même fraction des secondes, pale, pale, ceux qui seront vivants, na bale sur les champs. Pale, pale. Et ils vont monter. Batapanda bote kumbi. Ce jour-là, ile ce siku n'est plus comme le jour où Jésus est monté. Aina kama ile siku Yesu alipanda mwenyewe. Ce sont des milliards d'hommes et femmes qui vont monter. Wanaume, watapanda pamoja. Alors si le Saint-Esprit, alafu kama Roho Mtakatifu, a cette puissance, eko na uwezo ya kutenda et il va le faire. Na atatenda. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ni kitu gani atakosa kutenda maisha yako? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ni kitu gani atakosa kutenda mu maisha yako? C'est pourquoi nous allons prier. Na ni vile tutaomba. Chacun de nous va dire Dieu le Saint. Kila mtu amwambie Mungu Roho Mtakatifu. Fais-moi grâce encore aujourd'hui. Unijalie tena neema leo. La grâce. Nehema. De t'expérimenter. Ya kukuishi. D'expérimenter ta puissance. Kuishi uwezo wako. Dans une autre dimension. Upana ingine. Prions le Seigneur. Tuombeni Mungu. Prions le Seigneur. Tuombeni Mungu.